Soutenir les initiatives économiques et sociales de notre territoire, telle est la devise du BGE Picardie. Un appui aux entrepreneurs que nous présente Nadège Perrier, directrice adjointe à la création d'entreprises. BGE Picardie est une structure qui accompagne les créateurs d'entreprises sur l'ensemble des étapes de leur projet, quel que soit le domaine d'activité qui est le leur. Alors, une fois que l'entreprise est lancée, on peut encore intervenir après la création, donc tant sur les premiers moments que sur le développement d'activité. Et on peut utiliser notre réseau puisqu'on a un club d'entrepreneurs, le BGE Club, qui permet aux entrepreneurs de ne pas être isolés et de pouvoir travailler avec d'autres chefs d'entreprise et évoquer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc sur ces clubs, en fait, on propose des réunions, des after-work, des thématiques pour effectivement apporter un appui technique sur les besoins des chefs d'entreprise. Il y a un an, Carole Cavenel a pris le risque de quitter son poste de responsable administratif PME pour créer sa propre entreprise. Bien décidée à changer l'image des pompes funèbres, en 6 mois, avec l'aide de la BGE, Carole est désormais propriétaire de L'Autre Rive à Amiens. Je travaillais dans une PME en tant que responsable administrative et sociale. J'ai travaillé dans divers PME pendant plus de 10 ans. J'ai eu vraiment l'envie de me réaliser professionnellement et personnellement aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu entamer une reconversion dans le funéraire. C'est absolument pas tabou de dire que je suis en situation de handicap. J'ai une maladie dégénérative qui intervient effectivement dans mon quotidien, qui fait que j'ai des jours où c'est plus simple que d'autres. Et avec le fait d'avoir monté mon entreprise, ça me permet de me gérer au quotidien beaucoup plus facilement. Lors de ma reconversion professionnelle, j'ai poussé la porte du BGE pour un accompagnement. J'ai été accueillie par Peggy, qui a su m'orienter, me conseiller, et me rassurer aussi, surtout, parce que quand on est en situation de handicap, se dire qu'on va être chef d'entreprise aussi, on a différents freins. Et elle a vraiment été là pour m'accompagner, me valoriser et s'occuper aussi de toute la partie administrative qui est extrêmement lourde. Alors, j'ai accompagné Madame Cavenel dans le montage de son projet sur la partie études de marché, études financières. Mais la particularité de l'accompagnement de Madame Cavenel, c'est qu'il est entré dans le cadre de la GFIP et on a eu un gros travail de réflexion sur l'adéquation personne, projet, handicap. Et de toute façon, on travaille le projet en fonction du handicap. C'est-à-dire que si on reçoit une personne qui a une capacité réduite en termes de temps de travail et autres, ben on va construire le projet en fonction. Alors la GFIP accompagne les personnes en situation de handicap en leur offrant la possibilité d'avoir une subvention à hauteur de 5 000 euros. Autour de ça, on a la possibilité de mobiliser des aides pour compenser le handicap, donc aménager un poste de travail, aménager un véhicule. Vous avez le projet de vos rêves? La BGE Picardie vous aide à le réaliser. N'hésitez plus, faites confiance au BGE Picardie.